êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. In your face, all over the place. We're online 24/7. You're listening to the hottest internet station. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. 5, 4, 3, 2, 1. Du basketball, merci d'être connecté pour ce direct live comme on en a l'habitude tous les jeudis avec NBA No Limit. NBA No Limit, ce talk show qui fait l'actualité, qui fait le point sur l'actualité de l'NBA sur Radio All of Fame Basket, la radio partenaire officielle, la radio digitale numéro 1 sur la NBA. Je ne sais pas si vous avez eu le plaisir de vous lancer dans ce petit exercice, mais moi j'aime bien le faire, hein. Tous les trois semaines comme ça, je tape Radio NBA, Radio de Basket, et je tombe toujours sur Radio Lolfin Basket, la radio numéro 1 sur la NBA. On est toujours très très fiers de le dire, on clôture la NBA sur le parquet de la radio. Et comme vous le savez, je ne présente pas les talk shows de la radio tout seul, je suis toujours accompagné de mes fidèles partenaires, nos fidèles auditeurs, nos fidèles collaborateurs. On va commencer par aller du côté de la région parisienne pour accueillir Missy. Bienvenue Missy, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs. Ravi d'être une fois à nouveau parmi vous. Ça nous fait extrêmement plaisir. Oui, les playoffs battent leur plein. Ouais, c'est chaud là, c'est chaud. Il y a beaucoup de rage, il y a beaucoup de pleurs, il y a beaucoup de... Rage, c'est certain. On voit le match approcher. On peut dire une chose, c'est que les meilleurs, les meilleurs sont debout. Le top 10 est là. Enchaînant avec la présentation, Missy, on va aller du côté du Delaware. On va accueillir Pierre Gorave, aka Mopo.
Mopo, le numéro 23 officiel, hein, celui qui porte le 23 sur le parquet de la radio. Il est là, toujours en mode survivant, hein, en mode. Hein, Mopo. De somme. Five out of finish, man. That's all the love. The world comes to, man. Bonsoir à tous les panélistes en ligne, hein, qui nous écoutent. On est rentré pour une autre émission, quoi. Salut à Missy El Chapo. C'est Missy El Chapo qui est en ligne, mon frère. C'est la dealer d'informations. Elle dit les informations, mon frère. Pas tous les cadeaux possibles. N'est-ce pas? Hein? Ouais. On essaie de rester connecté. En tout cas, c'est toujours un grand plaisir. Il faut remercier aussi Joël Morvis dans cette affaire-là. On n'oublie pas, hein, Joël Morvis, partenaire à Diologe Basket avec son site Rue de Pompon. D'ailleurs, rappel, voilà. Hein, pour ceux qui connaisseraient bien, ceux qui ne le connaissent pas, ou ceux qui le connaissent, vous pouvez écouter aussi Radio Lofton Basket à partir de son site, hein, donc il n'y a pas de souci. Elle est régulièrement connectée avec nous, on lui envoie un gros big up. Allez les amis, on enchaîne, on a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de salive à verser sur le parquet de la radio. On va faire un big up au Doc NP, Doc NP qui est du côté d'Angers, il devrait nous rejoindre tout à l'heure. On enchaîne avec quelques préalables et ensuite c'est les big up. À tout de suite. Off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet, www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball. Il y a le ballon. Une feinte du défenseur. On dirait Michael Jordan à la grande époque. Oh, sublime. Le dunk de Xiao Lan fait monter la pression. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Allez les amis, on est parti, on enchaîne avec NBA No Limit. NBA No Limit avec Oncle Phil, NBA sur le parquet de la radio avec Mopo du côté de Delaware, Missy depuis la région parisienne. On n'oublie pas de préciser que le Doc NP devrait être avec nous tout à l'heure. Avant d'enchaîner avec les big up, les amis, permettez-moi donc de faire le point sur quelques. On va appeler ça comme une nouveauté. Nouveauté, oui et non. Oui et non, tout simplement parce que pour ceux qui suivent les talk shows de la radio depuis un certain temps, on enchaînait régulièrement des shows trois fois par semaine, à savoir le mardi, le jeudi et le dimanche. Et si vous êtes bien connecté, vous avez dû le remarquer que depuis un certain temps, le dimanche, on a un peu mis en pause les talk shows qu'on réalise le dimanche, tout simplement parce que on a travaillé à fond pour essayer de revoir la formule de l'émission du dimanche, hein, puisqu'on essaye de voir comment est-ce qu'on peut optimiser le temps imparti dans la semaine pour pouvoir réaliser des shows les plus complets et les plus attrayants possibles. On va pas dire que la NBA ce n'est pas attrayant, mais on essaie toujours d'avoir quelques nouvelles idées.
Et en marge du talk show que l'on réalise c'est pas un talk show que l'on réalise, mais en marge de ma collaboration avec RSI Radio Cameroun le mardi, on le rappelle, sur 92.3 à partir de 17h. On rappelle que sur RSI Radio, je présente une rubrique spécifique aux Camerounais de la NBA et avec l'équipe Radio Alpha Basket, on s'est dit que si ça, il serait dommage qu'on s'arrête là, il faut aller beaucoup plus loin et on a travaillé à une nouvelle formule pour réaliser un talk show exclusivement dédié aux Africains de la NBA, hein, aux Africains, je précise bien. Donc ce sera un show, je précise bien, exclusif aux Africains en NBA. Il y en a tellement du côté de la NBA, et on s'est dit qu'il y a beaucoup de choses à dire sur tous ces joueurs qui viennent du continent africain, pour lesquels on n'est pas souvent au fait de leurs infos. Bien entendu, je te fais la passe d'ici quand je termine. Justement, en parlant bien entendu, on va bien entendu parler de Jojo. Hein. Jojo, c'est l'icône du basket du continent africain. En parlant de Abdel Nader, l'Égyptien du côté des Celtics, on va parler de Oji Anunoby du côté des Raptors de Toronto, Salah Mejri du côté de le Tunisien du côté de Marignanas, ou encore Bismack Biyombo le Congolais du côté du Magic d'Orlando. Il y a tellement à dire sur les Africains en NBA qu'on s'est dit qu'on va vraiment faire un show spécial pour les Africains en NBA. Ça va s'appeler Total Africa NBA et ce sera tous les dimanches soirs à la même heure. Je crois qu'on va garder la même heure et puis on va enchaîner avec la WNBA comme ici Madiarov. On va greffer la WNBA là-dessus. Mais c'est qu'est-ce que tu en penses? Vas-y, enchaîne. Oui, je voulais dire que c'est justement intéressant parce que le basket africain est en train de prendre de l'ampleur. Il y a beaucoup de choses à dire sur les Africains en NBA. Hein. Beaucoup de choses à dire. On est encore à la draft sur à peu près 236 joueurs inscrits. Ouais. 13 joueurs originaires du continent africain. Voilà. Dans notre compatriote William Narras. Ouais. Originaire de Douala, qui habitant de Bordeaux, qui joue à Nancy, voilà. Et qui veut aller se tester. Ce n'est pas encore dit s'il ira au bout du processus, mais il veut au moins commencer à voir avec les recruteurs et à tester sa valeur. Voilà, c'est une bonne chose. Voilà. C'est une bonne chose. Donc n'oubliez pas, hein, tous les dimanches, on travaillera sur cette émission live Total Africa NBA. Bobo, hein? Ouais. Il y a des choses à dire sur les Africains en NBA. Hein. Je crois que toi-même, tu as beaucoup de choses à dire sur les Africains en NBA d'ailleurs. Hmm? Ouais, mais si on ne valorise pas le continent, qui va valoriser? Donc, ça la bonne charité commence par soi-même en fait. Voilà. Du point que c'est le relativisme, valoriser les Africains en NBA, c'est un peu parce qu'en fait, tu vois, tu te rends compte, il y a d'autres gens qui sont africains ici, mais qu'on ne sait pas qui sont africains, tu vois. Voilà, parce qu'en fait, le melting pot, tu te dis forcément tout nom qui sonne, genre, forcément, il est toujours américain, mais il y a plein de gars, il y a plein de gens ici qui sont là. Oui. Là, constamment, tu te dis, mais tu ne sais pas qui sont africains, et c'est un peu ça. C'est vrai. Et parfois, c'est vrai que tu te dis qu'ils sont peut-être rejetés, on les considère comme les Américains alors qu'ils sont africains, ils ont aussi le mot à dire, gars. Voilà, ils ont aussi leur mot à dire, donc... Bah, vas-y, Missy, après, je conclue. Vas-y, Missy. C'est la dernière chose à dire. Et puis, au niveau de la NBA, l'Africain a toujours eu bonne réputation parce que les premiers Africains allaient à la NBA, Olajuwon, Mutombo, Manu Paul, ils ont plutôt bien réussi. Donc, maintenant, ça fait du bien. La jeunesse veut juste marcher dans leur pas, les pas des grands. Voilà. Et Radio All of Fame Basket est toujours à la. On va dire comment? C'est quoi l'expression quand on dit qu'on est toujours premier? C'est quoi le truc? Hein, on dit on est à la page, je sais pas, à l'heure, je sais pas comment. J'ai oublié l'expression. We see on the top, voilà, comme le dit Mopo, pour faire la part belle à tous ces joueurs qui sont du côté de la Grande Ligue. Bien entendu, on n'hésitera pas à faire un clin d'œil à ceux qui sont aussi du côté de la NBA G League. Et aussi, dès qu'on a des infos, on parlera de ceux du côté de la NCAA. On parlera de tous ceux qui évoluent au plus haut niveau aux États-Unis. Dès qu'on a une info, on va en parler. Hein. Donc, restez bien connectés. Mimi, si.
Et puis aussi du côté de l'Euroleague, des grandes ligues européennes, des grands championnats, s'il y a... Oui, bien entendu, c'est bien entendu. Dès qu'il y a des choses à dire, il n'y a pas de souci. Bon, on voulait surtout préciser que les Africains auront désormais leur talk show spécifique. Donc voilà, on va uniquement parler. Donc, on fera souvent des petits clins d'œil à la Ligue, ça c'est certain. On parlera de WNBA, mais ce sera Total Africa NBA à partir de dimanche. Dimanche soir à partir de 22h en live sur le parquet de radio. Allez, on va enchaîner avec les big ups. Enchaînant avec les big up rapidement, on va aller du côté des Rockets de Houston. On va faire un big up à Clint Capela on va pas dire qu'il marche sur l'eau avec les Rockets, mais il est en pleine forme, Clint Capela sur son dernier match, le pivot des Rockets. 26 points, 15 rebonds, 1 contre l'année dernière. On rappelle que sur les 4 derniers matchs de playoff, le seul joueur à avoir réalisé cette statistique avec 25 points, 15 rebonds et 1 contre, c'était LeBron James, tout simplement. Voilà, Clint Capela, ça vous classe la forme d'un homme. Et on va enchaîner rapidement. On va parler de Kyrie Irving. Alors, pourquoi est-ce que l'on parle de Kyrie Irving? On va parler des Celtics tout à l'heure avec Missy. Mais avec Mopo et Missy, bien entendu, je vais vous annoncer. Moi, c'est le film que j'attends. Je pense que vous l'attendez aussi. Il s'agit de Oncle Drew qui va sortir. Je ne sais pas si vous avez vu la bande annonce de ce film. En tout cas, moi, j'ai kiffé grave. J'ai kiffé ma race sur cette bande annonce. Et j'ai même eu envie de vous faire écouter un extrait de cette bande annonce. On rappelle qu'il y aura Kyrie Irving, il y aura plein de stars dans ce film. Kyrie Irving, Shaquille O'Neal, Reggie Miller, Nate Robinson, Chris Webber, Lisa Leslie, Tiffany Haddish, Nick Rose. Ça va être extraordinaire ce film avec Uncle Drew. Allez, on vous passe une petite extrait de ce film. Après, on enchaîne avec la suite des Big Up. Restez bien connectés, à tout de suite. Remember that one moment that made us believe. He's done it again! Unbelievable! The game is filled with stories of legends and how they were born. But this is not that story. Was you just watching me sleep again? Boy, you are better than cable, okay? Wait a minute now. What's going on? I used everything I got on this tournament. You lost our superstar to another coach. What's that smell? Is that a grudge? This is the perfect opportunity for dads to meet Uncle Drew, the greatest blacktop player I've ever seen in my life. Oh, my nuts. Oh, Joe Nuts. All you wannabes out here won't play like Jordan. So we trying to get Morgan Freeman? Someone like you could combine the old school with the new school. It's gotta be my team, my roster. Yes! You got a Game Boy? An electronic book? Come on now, gotta get the boys. Drew's putting the squad back together. Heads up, my man. Oh, yeah. Come on. Time out! Pass the ball, Kobe. Come on, Drew, you told me these dudes can play. And this dude, he's a karate man. Hey, yeah. He's meditating right now. La radio qui parle de NBA, la radio qui vous aide, basketball, c'est les mieux à la radio. Hey, gros débile! Ouais, toi, la tête de veau, c'est bien à toi que je cause. Si tu peux pas faire mieux que ça, je te compte. Allez, on enchaîne les amis avec la suite de ce talk show. On vous avait fait écouter un petit extrait de ce film Uncle Drew. Alors, le scénario il est très bien, il est assez simple. C'est un scénario assez simple, mais quelle joie de voir toutes ces stars NBA autour de ce film. En tout cas, ça va être intéressant à voir. Alors, je vous fais un petit peu le pitch. C'est juste l'histoire d'un jeune homme, qui n'a pas une vraie carrière de basket. Il a vraiment été nul au courant de sa jeune carrière et il a l'idée de monter une équipe de basket pour participer à un tournoi de basket de rue. Et bien entendu, les mecs de son quartier, les vieux de son quartier, lui conseillent de faire appel à la légende du street Uncle Drew. Alors, on voit bien les séquences d'Uncle Drew
qui est là dans ce film. C'est assez intéressant à voir, mais surtout de voir la participation des autres stars, c'est de voir comment ils ont réussi à intégrer les autres stars de l'NBA là-dedans. Shaquille O'Neal qui joue le rôle d'un maître de karaté, adepte du zen, qui envoie une petite pique à Kobe Bryant dans le film. Alors je vous invite vraiment, le 29 juin, alors je vous donne la date, il sort le 29 juin dans les salles aux États-Unis. Alors pour l'arrivée en Europe, j'ai pas les dates, mais en tout cas nous on va rester connectés à cette actu. Mobo, c'est un film que tu attends ou pas? mais tu vois, on attend tous, car ouais. C'est vrai, c'est basket, mais tu vois, il y a combien, c'est un peu plus funny. Si c'est plus funny, justement, c'est pour le côté fun. En tout cas, il sera mieux que Space Jam, en tout cas. Moi, en tout cas, pour moi, avec Space Jam était bien. Par contre, ce qui était un petit peu moins, un poil moins réussi, c'est le film de KD. Le film de Kevin Durant. Et en parlant de ça, il y a l'autre aussi là qui va sortir les films et les documentaires. Steph Curry a signé un deal de production avec Sony. Lui aussi, on l'attend. On l'attend sur les planchers. Donc voilà pour ce film Carré Harry avec Uncle Drew et bien entendu les autres stars qu'on a cité tout à l'heure, à savoir Shaquille O'Neal, Chris Webber, Reggie Miller, Nate Robinson. J'aime beaucoup le Reggie Miller qui joue le rôle d'un aveugle. Alors quand vous connaissez son adresse à 3 points, ils ont vraiment bien retourné le truc en disant qu'il est un peu aveugle, il voit pas bien de ses yeux, mais il suffit qu'on lui mette des goggles à l'ancienne et puis il retrouve son adresse, l'adresse magique de Reggie Miller. Ça va être marrant de voir. Reggie Miller est l'un des meilleurs shooters de l'histoire. Tout simplement. Dans la GSL, le tir n'est pas mécanique, il a la GSL, il a la beauté du geste. Ouais, c'est clair. Voilà. C'est pour ça qu'on l'aime. C'est pour ça qu'on l'adore. Allez, on enchaîne avec ce dernier big up. C'est l'anniversaire du papa de Jabali Magui ce soir. On va souhaiter l'anniversaire au papa de Jabali Magui. Jabali Magui qui se sent très très bien aussi avec les Warriors de Golden State. On va parler de tout à l'heure. Rappelle qu'ils ont éliminé les Spurs de San Antonio. Allez, on va faire la part belle à l'accueil qu'on va adresser au Doc ONP. Il est du côté d'Angers. Bienvenue le Doc. Oui, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien là. Bonsoir le Doc. Comment va la forme le Doc ONP en ce jeudi soir? Oui, ça va. J'étais au téléphone énormément et je regardais Marseille en même temps. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, le Doc ONP! Mais Bobo, on t'attend pas là! On t'attend pas, c'est l'anniversaire de ton ami. Tu veux qu'il pleuve? l'anniversaire, même à 10 joyeux anniversaire. C'est comme ça, le Doc ONP. Doc ONP qui fête son anniversaire ce soir. Alors, le Doc, on va pas donner ton vrai âge. Ça, c'est pour la jambe féminine. Alors, comment ça? Tu as pris de nouvelles résolutions, c'est ça? Comment ça se passe cette journée d'anniversaire pour toi? Je n'ai pas honte de ma trentaine d'années. La journée s'est passée calmement, hein. J'ai beaucoup de boulot pour préparer, j'avais toute une tournée que j'ai repoussée, donc c'est un jour comme un autre, c'est toujours particulier, ça fait plaisir, mais bon, voilà. On enchaîne, hein. Ça nous fait très plaisir de fêter ton anniversaire encore en direct sur le parquet de radio. Allez, on enchaîne avec la suite du talk show. On va attaquer les résumés des matchs de la nuit et on va terminer avec les news. Comme on en a l'habitude, restez bien connectés, on attaque avec les résumés. À tout de suite. We'll be right back.
avec la suite de ce talk show NBA No Limit. NBA No Limit, nous sommes en plein dans les playoffs. Et c'est le deuxième tour qui pointe le bout de son nez tout doucement. On va enchaîner rapidement avec les Cavs de Cleveland en mode de survival horror. Et LeBron James, incroyablement efficace. LeBron James qui nous a fait une MJ sur ce game 5. LeBron James qui a réussi l'action qui a donné la victoire à son équipe avec un tir au buzzer. À 3 points, LeBron James, 44 points, 14 sur 24 tirs, 10 rebonds, 8 passes décisives. Bien entendu, après avoir bâché Victor Oladipo. Victor Oladipo qui s'est fait bâcher sauvagement par King James, les Pacers qui réclamaient un goaltending. Oui, je sais, mais bon, c'est un compte. Voilà, c'est terminé, c'est un compte, c'est signé, pacté. On n'en parle plus. LeBron James qui a récupéré la remise en jeu, posé deux dribbles avant de rentrer le 3 points de la game sur la tête de Tadeusz Jones. Victoire des Cavs, 92-18 à 92-15. On rappelle qu'un câlin à son rookie Cedi Osman et un saut sur la table de Marc plus tard à la MJ ou encore, on devrait dire, à la Kobe Bryant pour ceux qui se souviendraient de cette action. Les haters diront que la dernière fois que ça s'est passé, Kobe, lorsqu'il est monté sur une table de Marc, c'était pour fêter un titre NBA. Mais qu'à cela ne tienne, c'était une belle victoire pour les Cavs qui sont en mode survie, les Cavs qui nous réservent une belle surprise, on espère. Pour le game 6, on va écouter Mobo. On rappelle hein, quelqu'un vers le bon lieutenant de LeBron James sur ce match, 19.7/9 au tir. Comment est-ce que tu revis, tu respires, Mobo? Dis-nous ton comment tu ressens le truc. Qui est dommage, gars. Normal, les Pacers devaient gagner le match d'ailleurs. Dans les normes, le bon James a inventé même à la fin de la journée. Ouais. Il ne va pas jouer toute une série, il ne va pas aller jouer toutes les règles de série. Il va pas marquer 40 points tous les tours chaque fois. C'est vrai que d'autres gars vont bringer les petits appoints en défense, mais ça ne va pas suffire pour gagner une très bonne équipe sur cette matière. Impossible. Parce que l'action d'hier, c'est vrai qu'on conteste le black. À la fin de la journée, on ne voit pas que le ballon de la du poids taper le pas de la plaque. La partie noire ne compte pas. Donc ça ne compte pas, donc forcément c'est un black. Donc on doit Gauthier, nanana. Et s'il y avait Gauthier, normalement on devait faire le review, on n'a pas fait le review. À la fin de la journée, c'était une équipe de Cleveland qui a, comme tu as dit, qui survive. Ils ont seulement survécu. Le kill de LeBron James, c'est vrai, le défense était naïf, c'est son espace. C'est ça que tu vois, il a pris le ballon. Il a pris son hot spot. Oui, il a coupé le corner pour aller tirer de côté. Le défenseur devait le pousser à tirer du côté de l'angle où il a pris le ballon. Naïf, il a dû la tête de la gueule parce qu'il voulait pas faire la faute. Là. Il a tiré, c'est une gars. Donc à la fin de la journée, pas un mauvais match, mais le prochain match va être un match très difficile. Là. Les gars vont scorer. Tu sens qu'ils sont toujours en danger. Non, gars, oui, gars, c'est fini. C'est pas pour les gars. en termes de momentum, comment tu sens le momentum? Le momentum, c'est bien vrai, mais n'oublie pas, il y a une équipe qui a quelques jeunes en face. Pour la Dipo, ne se décourage pas. Il a une bien de team. N'oublie pas, il est parti à Orlando, il avait eu. La saison n'était pas fameuse, il est parti, ok, si c'était pas trop ça, tu vas flotter, non, donc. À la fin de la journée, c'est un jeune qui est en train de découvrir les playoffs, donc quelque part, il est en train de découvrir en tant que leader. Donc là, maintenant, il va pas se décourager et il pénètre facile. Donc le match prochain, il peut décider que je m'en vais en one-man mission, comme Russell Westbrook, donc. Gars, c'est pas encore bon, là. C'est pas encore fini. Il y a encore du match, il y a encore de quoi dire. Le Doc Wenfi, comment est-ce que tu enchaînes sur ce que dit Mopo après Missy qui va enchaîner, le Doc? Oui, déjà, je vais commencer par dire, faut pas raconter aussi tout et n'importe quoi, Mopo. Il y a goaltending. À quel niveau? Tout simplement. C'est pas le bas de la plaque, c'est la plaque déjà. Ça commence le bas. Là, c'est la plaque. Après, passage c'est pas grave. À un point accordé. Moi, comme Philippe, je trouve que je prends ça pour un bloc parce que Oladipo est assez naïf pour savoir ce qui va se passer et aller s'aventurer là-dedans. Et en plus, l'erreur même, tu sais que normalement le règlement dit 6 fils. Si les gars là ne demandent pas le temps mort, ils sont dans la continuité. Là, l'arbitre ne peut pas regarder. Mais dès qu'ils ont demandé le temps mort, Oladipo devait d'abord. Oladipo ne savait même pas qu'il y a goaltending lui-même parce que ça allait très vite. Tant qu'ils n'ont pas fait le geste du doigt pour dire à l'arbitre ici je me réclame quelque chose, l'arbitre ne regarde pas. Ils n'ont rien réclamé. On ne peut que regarder la vidéo pour savoir à qui est la balle, si le ballon est accordé ou pas, ou à qui est la balle sur une sortie. De toute façon, quelques temps avant, LeBron, bon, et ça n'arrive que dans les deux dernières minutes, je pense. LeBron lui-même ne demande pas ça sur la sortie ligne de fond.
Ouais. Parce qu'il peut, le demander, réclamer et dire non, regardez, c'est pas moi qui mets la balle hors. Mais même Oladipo et ses joueurs ne savent même pas qu'il y a ça. Donc, de toute façon, c'est un contre. Mm-hmm. Même si moi, c'est même pas ça qui me dérange sur ce truc. C'est que. Qu'est-ce qui te dérange? C'est deux équipes. Déjà, c'est deux équipes moyennes. Ça se voit que c'est haletant, c'est passionnant. Mm-hmm. Mais par rapport au niveau des autres. Après, bon, il y a des momentum. Hein, quand tu passes une série comme ça, tu peux devenir mentalement fort. Et d'un coup, tu fais de très beaux playoffs. Mais sur le moment, ces deux équipes, quand même, quand tu vois par rapport aux autres, bon, ils ont la chance que Toronto et les trucs, bon, c'est pas les gens en playoff qui sont très rassurants. Mais on a l'impression dans cette conférence, est-ce qu'on sait déjà quel est le plus fort pour l'instant et que les Sixers risquent vraiment de dominer cette conférence avant le temps. On a l'impression. Parce que hier, on a quand même affaire à deux équipes qui ne savent pas tuer un match. LeBron James a besoin de mettre chaque fois 40, plus de 40 points pour gagner de 3 points, de 1 c'est point. C'est ça, c'est bon. C'est ça qu'il a dit, c'est très bon. Et de l'autre côté, on a une équipe où leur leader a fait un match, le Game 1, et a disparu pire que ses lieutenants. Et il a un coach qui a joué une finale NBA, deux finales de conférence. Un coach qui s'appelle Nate McMillan, qui n'arrive pas à lire le jeu quand son leader n'est pas dedans. Voilà. Il n'arrive pas à lire le jeu. Donc, il est scandalisé. Jordan est le meilleur joueur de tous les temps. A senti à des moments que ce n'est pas pour lui, il a donné à Kerr. Il a battu un joueur, il a donné à l'autre. LeBron James a déjà fait ça lui-même, il a senti que c'est pas pour lui. Il a donné, il a dit, il a donné, prends. Kobe Bryant a donné à Gasol à un moment donné que, gars, je vais pénétrer, je te donne. Il pense que c'est moi. Nate McMillan connaît le basket plus que nous. Il connaît le basket, il connaît l'histoire, il est les matchs. Mais qu'est-ce que Nate McMillan. On s'en souvient hein, encore de Nate McMillan face à MJ quand il était au Sonics face au Bulls de Chicago en finale, on s'en souvient encore. Hein. Nate McMillan des Blazers. Ouais. Qu'est-ce que le mec dit à son leader? C'était les Blazers, oui. Vas-y, il vas-y. Il a créé un mismatch avec Sabonis. Déjà, Sabonis est hésitant. Je pense que ce n'était même pas le système annoncé. Parce que je pense que s'il attaque. J.R. Smith, il y a faute de lance. J.R. Smith fait faute systématiquement dès qu'il est battu. À un moment donné, il aurait fait. Il a switch, il a créé un mismatch contre LeBron. Il a battu LeBron. Mais LeBron, il était naïf, comme tu as dit, parce que il sait que LeBron, c'est un chest down block. C'est voilà. Là où il était naïf. Et Phil, 3 minutes avant dans le match, LeBron le contre pareil. L'arbitre, c'est faute parce qu'il y a faute d'un autre joueur. Mais LeBron fait un très bon contre. 3 minutes avant. Il repart. Mais qu'est-ce que Nate McMillan dit? Élimine et donne. Sabonis, élimine et donne. Alors, va dans la conclusion, le doc, et après on va écouter Missy aussi, s'il te plaît. Vas-y, Pour moi, j'ai vu hier un très grand joueur, peut-être parmi les grands joueurs de tous les temps, on les connaît, les grands joueurs de tous les temps, qui a dit, je ne veux pas faire perdre mon équipe. Mais malgré ça, a failli perdre. Mais il a gagné, il le méritait par rapport au fait qu'il a stand-up pour dire « Et si je ne veux pas mourir ?» Parce qu'il perdait hier, sa série était finie. C'était terminé. Écoutons, vas-y. J'aimerais juste que les gens voient ce qu'on appelle un grand joueur demain soir. Parce que j'ai entendu que la série sera difficile, mais LeBron James va aller plier ça sur le parquet des Pacers. Il va arriver sur leur parquet, il va dire « Je ne repars pas chez moi. » Il va les écraser, hein, donc un fille. Il finit ça demain soir. Ouais, écoutons Missy, ton ressenti. C'est très très chaud, vas-y. Alors, je suis exactement sur la même longueur d'onde de ce que on dit Mopo, de ce que on dit Simon. Le doc. Donc, en fait, ce qui se passe, comme on dit, c'est deux équipes moyennes qui sont, quand ils arrivent au bonnet time, vous tremblez pourquoi? Parce que quand on regarde les Warriors, Steve Kerr, quand il prend le temps mort, il dessine son système
la balle, on doit tout faire pour mettre Kelly en position de prendre le bon tir. Ouais. Ce qu'il y a aujourd'hui, le basket, c'est une chorégraphie. Ouais. C'est une chorégraphie. C'est un système d'alchimie. Vas-y. Les gens pensent que les gestes se répètent comme ça. Chacun doit être positionné à sa place, surtout dans le money time, ouais, où il faut répondre présent. Maintenant, ce qui s'est passé avec les Pacers, pourquoi vous ne faites pas la faute sur LeBron James? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait la faute? LeBron James n'est pas un tigre fiable. LeBron James, je l'envoie sur la ligne. Ils s'en donnent 15 sur 15. Maintenant, ils ont le pire dans l'histoire, c'est qu'ils ont une faute à donner. Ouais. Donnez-la votre faute. Vous attendez quoi pour donner la faute? Monsieur, écoute la réaction de Moko, après tu réponds. Monsieur, écoute la réaction de Moko, s'il te plaît. Vas-y. Non, Moko, parle après. Écoute un peu, Moko, après tu réagis. Ça part d'où ce que Amar dit tout à l'heure. Le coach a été naïf. Hein. Oui. Tu as une faute à donner. LeBron James prend. Regarde ce que LeBron James fait. LeBron James vient sortir de bas, il fait shadow court, il vient courir tout droitement devant la ligne à 3. Tout le monde savait qu'il partait prendre le tir au corner. Là. Que ce soit à 3 points, à 2 points, comment préciser ici, va faire la faute. Et si LeBron rate rarement les tirs en tête, et on précise qu'il vient d'un 15 sur 15 là-bas. Même si LeBron James a les yeux fermés, quand il se retourne, ça va agresser. C'est dedans. Je le dis un peu, non? Et c'est ça, le coach était naïf parce que le coach envoie le joueur faire la faute. Dès que LeBron James prend le ballon, il fait le premier dribble, on fait la faute tant qu'il ne tire. Maintenant, quelle région on le permet de prendre plutôt un tir au corner? Tu mets un peu, non? Vers le fond, là. On laisse tirer, on part au tie-break. Et s'il partait au tie-break, je pense que les Pacers pourraient gagner le match parce qu'ils attaquent facilement, là, nous. Oui. D'accord. Vas-y, Missy. Vas-y. Ce que je disais déjà, c'est par rapport à cette faute. Vous laissez quelqu'un tourner comme ça, vous avez une faute à donner, vous ne faites pas la faute. Et puis, vous êtes naïf en pensant que ce n'est pas LeBron James qui va prendre le dernier tir. Tous les enseignements de cette série ont montré que, et je le dis depuis le premier tour jusqu'à la fin, si Cleveland va gagner le titre, LeBron James va porter cette équipe sur son dos. Et demain, ils vont aller aux Pacers. Ils vont jouer contre les Pacers. Il ne rentrera pas sans la victoire parce qu'il veut s'épargner le Game 7. Game 7, tu sais pas ce qui va se passer. Pas de Game 7 pour LeBron James, oui, ça c'est sûr. Mais tu vois, Missy, toi tu as lu. Voilà. Missy, tu as lu le basket mieux qu'un coach d'expérience. LeBron lui-même le dit à la fin, je tire aussi vite, je drive le tir parce que j'ai peur qu'il fasse faute, parce que beaucoup s'attendaient à ce qu'il attaque le cercle. Il dit, j'ai peur qu'il fasse faute rapidement. Pour qu'il ait deux lancés, même s'il met les deux, il reste suffisamment une seconde au Pacers pour faire le boulot. Donc, Mac Millan, sur le coup, il a tout lu très mal dès la fin du match. Il a tout lu très mal. Déjà, même au début du match, il lisait mal. Il a lu très mal le match. Et si on l'envoie au lancer, ça permettait au PSG d'avoir encore une chance de tir. Mais oui, ils avaient une seconde. Une seconde, c'est long. Ils avaient une seconde, c'est super long. Et c'est ça. Je dis, quitte à faire la faute, quitte à perdre, on perd sur une faute. Oui. Ne laisse pas quelqu'un qui prend un tir sur ta tête sans la glacer. Mais c'est là que tu vois un peu le niveau. Le 3 points que LeBron veut prendre sur Iguodala l'année dernière, Iguodala court le risque parce que quand il tape ce ballon, il y a risque qu'il y ait faute. Même si là, il prend le ballon. Il prend le ballon même. Là, hier, comme ça, Mac Millan dit à ses gars, oriente. En plus, il le fait orienter côté gauche où il tire le mieux. Quand un mec droitier va à gauche dans son double appui, il est le plus à l'aise. Et LeBron, c'est ça. Il va à gauche, il tire main droite,
Et il a l'un des jumpsuits les plus hauts de la ligue. Je pense que j'ai jamais vu quelqu'un contrer LeBron James sur son jumpsuit. Hein. Il y en a pas. Ils ont très peu. Donc, je veux dire, la lecture du jeu, peut-être après dans l'euphorie, le match, la pression, on peut comprendre, mais je trouve que du début à la fin, Macmillan a très mal lu le jeu. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas taper jusque sur l'épaisseur. Parce que de l'autre côté, les Cavs, c'est aussi dangereux que chaque fois que LeBron met plus de 40, il ne gagne que de 3. Et là, c'est ça. C'est très dangereux. Et c'est pour ça que nous, on voit la suite, Phil. Parce que pour moi, les Cavs passent sur cette série. Ouais. Mais pour la suite, il ne faut pas que LeBron... Parce qu'il y a des équipes qui viennent. Moi, pour moi, leur chance, c'est peut-être la série entre les deux zigotos, là, les Raptors et les trucs. Mais quand je vois les Sixers jouer... Pour moi, les Sixers peuvent donner 4-0, écart de 15-15-15-15 à cette équipe. Ouais. Pour moi, quand je les vois jouer ainsi, ils peuvent le faire. C'est ça qui peut être dangereux. Après, bon, je ne suis pas médium. Ça va être intéressant, en tout cas, de voir la suite, comment les choses vont évoluer. Mais si tu dis encore quelques mots, après, on va enchaîner avec la deuxième partie. On va enchaîner la deuxième partie. Vas-y, Missy. Vas-y. Ce qu'il y a pour l'heure, l'Est n'est pas défensivement au poids. Ces équipes-là, quand elles vont tomber sur une bonne équipe de l'Ouest, défensivement, au poids, elles vont être laminées. Elles n'ont aucune chance. Je ne vois pas une équipe de l'Ouest, de l'Est, actuellement, rivaliser, soit avec un banqueur, soit même les Pelicans, qu'on voit bon. Parce que les Pelicans, ils ont passé le premier tour. Ils ont eu les Blazers, pas tellement offensivement, mais défensivement. Parce que même les Warriors, parce qu'ils ne pensaient pas que LeBron James va marquer 44 points contre les Warriors. Hein. Oh, il peut, hein. Il peut, mais il ne fera pas ça sur 4 matchs. Il ne fera pas ça sur 4 matchs. Donc, les Warriors, ce qu'ils vont faire, ils vont le limiter un peu. Et ça va être aux autres de marquer les points. D'accord. Et tu as un Kyle Korver, par exemple, sur les Warriors. Les Warriors, ils savent très bien comment faire pour qu'ils prennent pas les tirs. Hein. Ça, c'est sûr. Allez, Missy, on est arrivé. On arrive à la fin de cette première partie. On va enchaîner avec la deuxième partie. Juste pour nous, le temps de balancer une petite minute de pub. On attaque la deuxième partie de ce talk show. Si vous êtes connectés, pour tous ceux qui sont connectés en direct live, que ce soit sur votre application ou votre page internet, n'oubliez pas de relancer votre application, relancer la page internet sur laquelle vous suivez le talk show. On attaque dans moins d'une minute. Juste pour nous le temps de balancer une petite pub. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.